Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Oui, là où il campe, là. Ouais. Ah ouais, j'avoue que ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait bien. Hop, bah attends, je t'envoie. J'ai une vingtaine de péons là qui sont à Masgat. Ils ont dépêché une deuxième armée en plus. Ouais, je vais traverser la mer. Je pense que j'en ai pour trois tours de déplacement, je dirais. Ouais, t'inquiète. Non, mais je tiens la ville. Je pense qu'en défense contre des lanciers partes, ça devrait le faire. Ouais. Bah, surtout, regarde là en plus, t'as ta satrape. Elle a une troupe sur Frada. Ah oui. Pour une fois qu'ils sont utiles. Ouais, ils vont peut-être faire demi-tour. Ils se disent, c'est peut-être pas ouf quoi. Alors, on va faire. On va arrêter nos métiers. Stimulation commerciale. Ah, c'est bon, je regagne un peu de thunes. Au niveau de Tyros, l'ordre public a baissé de 1. Quoi? Comment ça, de 1? J'en avais un, c'était. Attends, faut que je vois ça, l'instabilité. Je peux pas taxer Tyros à balle? Attends, je vais voir si je peux surtaxer Tyros. Je crois que peut augmenter les taxes, mais c'est de manière générale, c'est pas juste pour une ville. Ouais, c'est ça. Merde. Bon. Mission aboard. Dommage. J'aurais tenté. Allez, toi tu es valeureux. Hop. Et d'ailleurs, mon pharaon, toi qui es là, oui, t'as eu le temps de recruter, toi. Tiens, pharaon. Attends, mais j'ai quoi? C'est qui? D'où est-ce que tu vas? D'où est-ce que tu viens, surtout, toi? Ah. Et là, est-ce que je peux remplacer par un... Part. Non. Bon, j'ai essayé de faire le même coup. À Carthage, mais ça a pas fonctionné. J'ai envoyé un diplomate, mais le diplomate il a pas réussi. Il est revenu sans sa tête, c'est ça? Alors il est revenu avec sa tête, mais il m'a trahi quand même, le saligo. D'accord. Ah, disons que c'était le même que je t'avais envoyé. Chez toi, il a pris une province. Chez Carthage, il m'a trahi. Quoi, bon, bah, ok. Il a succombé au Thunderbird que tu... Ah ouais. Falloir changer de mode apparemment à Tyros parce que... Enfin du moins pour... les Parthes préfèrent les Berbères que les femmes de Tyr. Hein. C'est bon à savoir. Hop, ah ouais c'est... Attends, c'est culture latine Ah ouais. Ok. Salutations, dit-elle. Bah écoute, salut à toi. On va faire le siège. Où dois-je aller? Tu peux pas faire. On va faire le blocus de Caralis. Blocus en cours. Effectivement, le blocus est en cours, c'est bien. Et ensuite, on va aller se diriger vers Cosentia le tour d'après. Ah, il y a Sparte qui prépare un débarquement chez les Romains. Oh, les salauds, ils vont pas prendre un dixième quand même. Ils vont nous faire une épire là. Putain, ouais, c'est ça. Alors, s'ils se cassent les dents dessus, ça me va. Hein. Bah, apparemment, ils ont pas grand chose à Bondisium à part la garnison. Ils ont combien en garnison? Ils ont 12. Ah, ouais, il y a quand même pas mal de péons. Ils sont 12 plus 3. Et une petite flotte. Je pense qu'ils peuvent tenir. Ah, quoi que c'est à pied. Ah! Oh, c'est pas grave, hein. Après, toujours pareil, hein. Si Sparte viennent me piquer des trucs. Eh, franchement, dans cette game, Athènes est assez puissante. Hein. Ils sont en train de nous refaire un empire athénien, les salauds. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pris Navissos, Péléa, Larissa, Polonia. Oh oui, bah, ils ont Epidamnos. Toute la Grèce. Purée. Ouais, j'avoue. La Grèce quasiment, sauf le Péloponnèse. Ouais. Ils ont pas la province d'Hellas, mais ils ont tout le reste. C'est rare de voir ça.
Ouais. Eh, royaume de Tilis, pourquoi on est en guerre contre le royaume de Tilis? Ah, c'est de ma faute, ça. Attends, je viens de capter d'un coup, là. Te rappelles, c'est quand j'avais attaqué Nicomédia. Moi, j'ai fait la paix avec eux depuis. Oh, j'avoue! Bah! Attends. Bactrie, jette, rien. Attends, bah, je vais leur proposer aussi. Comment ça, la diplomatie? Traité de paix. Oh! Ah! Créer une satrapie. Bah! Oh! Bon, je comprends. Paiement. Exiger un paiement. Ah, il me prend. Ah, bah attends, bah c'est bien, on va pouvoir construire plus de bâtiments ce tour-ci. C'est génial. Attends, je peux faire pareil avec d'autres trucs, moi? Syracuse. Ah bah non, mais Syracuse, ils sont dans la mouise. Ils sont dans la mouise jusqu'au couille, au cou. Je peux faire du commerce avec la Bactrie. Oh! Oh, la Bactrie! Ils sont en train de se faire exploser là. Oh la vache! Ah, je l'ai pas vu venir. Il va falloir que je récupère ces territoires. Ah bah ils en ont plus qu'un, ils ont plus qu'un territoire en Gédrosia. C'est leur Ils en ont capitale. deux. Il y a Capicène et la ville du sud, là, Ah ouais, bien vu, près de la j'avais pas mer. vu Capitaine. Oh, Et Aura et Ea. oh le coup dur. Ah ouais, le Ils coup se sont dur fait est... un peu marave par Arya. Sacré honneur. Moi, je suis en train de marcher sur eux. Tu m'étonnes, bah tu fais bien. Et au prochain tour, je vais prendre la ville des Parthes, là. Merve, il n'y a pas de défense. Et puis, je pense qu'après, je vais descendre vers Smugia. Ouais, bah de toute façon, moi j'ai mes défenseurs du Nil dans deux tours qui sont à BAM. Ouais, et puis là, ça sera la grande offensive, là. Bah, ils sont en marche forcée par contre, donc Rotto Bactria. Après, une fois que j'aurai conquis tout le Moyen-Orient, je pourrais t'envoyer des armées en Occident. Ah, tu passes pas par les territoires des steppes? Tu veux dire si je serai en guerre contre eux plus tard? Ouais, possiblement, hein. Sans doute, oui. Parce que là, ils auraient. T'as J'inclus vu tout ce aussi qu'ils ces ont récup? territoires quand je parle qu'on s'appelle les territoires du Moyen-Orient. Ah, ok, Même oui. si c'est un peu plus dans les Carpates, leur territoire. Un large. Les Carpates, qu'est-ce que je raconte? Plus dans. Je sais pas c'est quoi comme zone, c'est le Pakistan? Non, le Pakistan. Je sais pas, enfin, les Regarde ma environs. géographie. Les environs Là, de c'est. la mer Noire, quoi. La mer Par Morte. là, je crois. Ouais, voilà, ça c'est quoi ça? Comme Bled, ça c'est. Parce que là, il y a le Pakistan, je crois, là. Je crois qu'il y a l'Afghanistan par là. Je t'avoue que c'est pas un endroit que je connais bien. Ah, je crois que c'est le Turkménistan, une connerie comme ça dans le coin. Alors là. C'est l'Aria. Suis meilleur avec la carte de l'époque. Je comprends. Enfin, il y a des zones, ça peut aller, mais alors par là, j'avoue que je suis pas bon. Nice. Merve qui tombe tout seul. Quelle merveille. À moi le plomb. Et à moule, en vrai, je vais la laisser tout seul pour le moment. Ah, mes éléphants, ils ont pris cher. Ah, sur les réseaux auto, ouais, les éléphants, ça, c'est terrible, ça. C'est ouf. C'est un peu chiant. Bon, je peux toujours pas recruter une 9e armée là. Ah, c'est chiant. Ça coûte cher. Non, j'ai atteint la limite de généraux. Ça en fait beaucoup quand même. T'en as combien? J'en ai 8. Ouais, 8 sur ouais. 8. Et toi? Je sais pas. C'est indiqué quand tu vas dans le menu de recrutement. Ouais, mais là je peux pas, comme je suis pas. C'est pas mon tour. Alors j'ai une, deux, C'est vrai trois, aussi. quatre, cinq, six, sept, huit. J'en ai huit. T'as le temps d'arriver, hein, bam, hein, les mecs ils sont en train de mourir de dans le désert là. Ils Ah, ont mais oui. pas l'air de vouloir m'attaquer, donc ça tombe bien. T'auras le temps de venir.
Ouais, tu m'étonnes, hein, ils sont pas sereins. C'est vrai que là j'ai quelques. J'ai combien? Une, deux, trois là. J'ai des troupes assez costauds, hein. Purée. Je pense que moi je vais m'envoyer une armée en Anatolie, au Moyen-Orient. Parce que je compte pas attaquer le pont tout de suite, honnêtement. C'est un sacré morceau, hein. Ouais, en plus ils sont alliés avec l'Arménie. Et ouais, et Ça va l'Arménie qui être chaud. s'entend bien en général avec la troupe Athènes. Donc Ouais. faut pas se Mon armée précipiter. arrivera, je pense, dans peut-être 5 tours, si ce n'est plus. Je vais voir si je peux passer chez le pont. Ça ira plus vite. On s'entend bien. Ah, mais con de moi. J'ai oublié de les envoyer là. C'est pas grave. Ils ont une sacrée flotte quand même, les Romains, en vrai. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ah ouais. C'est où déjà pour passer chez eux? Une satrapie, là. Non, c'est pas ça. Paiement. Ah, c'est ça. Militaire. Ah, peut-être qu'il faut que je leur donne un peu d'argent. Ah, là, ils acceptent. Oh, mais Parfait. les Arvernes qui se font bouter hors de Libérie là. Pourtant ils avaient bien mangé, hein. La Bactrie. Faut que je fasse du commerce avec eux. La Bactrie, je crois que tu voulais récupérer leur territoire. Du coup, moi j'ai pas commercé. Ouais, mais en vrai, là, ils vont se faire éliminer par nos ennemis, donc J'avoue qu'ils sont pas je vais très les bien. récupérer indirectement, quoi. Ils se sont fait bouffer par les L'Arménie a Roxans. accepté. Accord C'est de dingue. passage. Atropatène. Ok, pour 100$, j'accepte. Parfait. Comme ça, mes troupes, ils vont pas faire un détour de ouf. Ouais, c'est tout droit. Voilà, ça. J'ai envoyé mes troupes vers Suse. Mon espion. Je vais le déplacer à Suse. Ils ont pas de troupes militaires. Une petite armée, mais ce qu'il en reste. Ils me disent que je peux mettre un édit, apparemment. J'ai un édit en Mésopotamie. Normalement, je devrais pouvoir en mettre un en Asie. Ah non, en Asie, j'ai pas toute la province. Ah oui, il te manque Rod. Ouais. Attends, mais je crois que, à part la Mésopotamie, j'ai pas de province complète en fait. Se demande pourquoi. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre, ça. Attends, mais je crois que comme on est alliés, normalement, je devrais pouvoir mettre un édit. Ah Regarde non, même pas. en. Ah bah si, normalement, tiens. Non. Regarde en Sicilia. Sicilia. En Sicile, Sidé et Tarsus. Ah, en Cilicie plutôt, tu veux dire. Mais Oui, non, je pardon. peux pas parce que y a ta satrapie qui me bloque depuis le début. Ah, et la satrapie, elle est pas J'ai considérée comme pas. alliée. Merde. Non, j'ai pas la province. Attends, dinguerie ça. En Perse, t'as Gor, vu que c'est ta satrapie, le Dragian, est-ce que ça peut te passer? Ah, quoique, attends, peut-être, ouais, t'as raison. Je vais vérifier. Tac, tac. Ah oui, ouais, c'est bon. Ok, bon c'est toujours ça de prix. C'est pas le plus rentable mais... Je peux avoir 3 édits max, je crois. 3? Ah, c'est bon, ouais. Je sais pas combien j'en ai moi. J'en ai 2. Ah mais Antioche c'est pas un bonus de un truc comme ça.
Ah, les portes me proposent la paix. Non! S'attrapie. Ah oui, il m'attaque! Il y aura une belle bataille là. Oh! Ah oui, Abam! Oh, bien ça! Enfin, ça fait 10 000 ans là qu'ils sont en train de camper dans ma ville. C'était juste le temps de perdre quelques hommes dans le désert. Alors, il y a une baliste ils ont géante. Vu ton armée arriver, ils se sont dit bon, allez, on y va. Et puis en plus, leur baliste géante va rien te faire. Par contre, ils ont un nombre d'unités à distance. Ils vont vraiment te casser les bonbons. Ouais, c'est pas faux. Ah, en vrai de vrai, ça va pas être si simple. Hein. Ah, j'ai des archers. Ah, mais très peu. 4, 5. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Peut-être le plus 19. Chiant, c'est leurs archers montés et leurs tirailleurs montés, quoi. Pas tant que ça parce qu'ils sont pas nombreux. Ouais, tant qu'ils bougent pas beaucoup, ça devrait être bon. Mais ouais, là j'ai un peu peur quand même pour toi, je t'avoue. T'as de la garnison. Je suis confiant, moi. T'as 2 unités de frondeurs de garnison. Ouais. On est quasiment aussi nombreux qu'eux et les piquiers en défense contre des lanciers orientaux. T'inquiète. Ah, mais oui, tu l'as mis en auto. Non, je la joue. Ah oui, j'aurais pu la gagner en auto, mais... Je sais pas, moi, j'ai l'impression de l'avoir en... Oui, j'aurais pu la gagner en auto largement, mais... Ça va être assez fun à jouer. Ah d'accord, non, c'était juste l'affichage qui était... Bien. C'était l'affichage de la bataille qui était bizarre. Ok. Non, mais t'inquiète, je vais mettre mes hoplites en première ligne. Ils vont prendre les projectiles... Et les piquiers, hop, ils font le travail. Alors. Et c'est vrai que ta cavalerie va pas pouvoir sortir en plus tant que t'as. Tant qu'il y a leurs unités à eux. Ok, alors. Ils arrivent par où? Ils arrivent par là. La place, elle est là. Et ils viennent d'où les renforts? Je donne la cavalerie. La cavalerie, ouais, va rester à l'intérieur en tout cas, du moins pendant un bon moment. Très bien. Alors, je pense que je vais faire une défense de la place là. De toute façon, t'as ici à bloquer, ici à bloquer, ici, ici et ici. En fonction du nombre d'unités que t'as, tu peux bloquer ces points. Moi, je pense que je vais faire plus une défense de la place. La place à défendre. La place, elle a un avantage, c'est qu'elle est moins coûteuse en troupes à défendre. Par contre, l'inconvénient que je trouve, c'est pour tes unités à distance et surtout tes frondeurs, c'est très compliqué de se placer. Pour tes archers, ça va. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas l'espace de ouf. Je pense que je vais mettre des frondeurs sur la petite plaine Ariel Temple. Ah oui, ouais, tu peux les placer là au cas où il y a des troupes qui viennent de par là. Je vais bloquer tous les accès de la place centrale. Parce que ça en vrai tu bloques avec quoi? 2 unités même pas. Si 2 unités t'es large. Et là ensuite t'as quoi? Là t'as là à bloquer, donc c'est pas très large, et là t'as là à bloquer, ouais. Moi personnellement je fais comme ça tous les coups. Ok. Moi, je doute pas oh, que je te suis, faire je te une suis. Défense plus large ça passe aussi. Je te suis, c'est toi le général. Et puis je vais bloquer cet accès là. Qui est là. Pardon. Comme ça. Je vais mettre les hoplites avec eux, comme ça. C'est eux qui prennent les projectiles. Je les mets un peu devant les pics. Tu mets la populace, sinon.
Ouais, non, mais eux, ils vont se faire tuer, puis les hoplites, eux, ils peuvent encaisser les tirs. Ah, mais la populace, c'est de la garnison. Ouais, mais je vais vraiment un gros salaud, quand même. Une autre façon. Ah, d'ailleurs, t'as pas de populace. Ah si, bah non, ah c'est des montagnards que t'as, c'est pas de la populace. Ouais, bon, ça revient au même. Oh, mais attends, c'est trop bien. C'est une petite unité, on va pas se mentir. À moins qu'elle soit là. Ah si, il y en a là, ok, il y en a là, il y en a là. Je me demandais, je me disais, tiens, c'est bizarre de pas avoir de populace quand même. Ah, non, par contre, là, j'avais pas fait gaffe. J'ai un général. Même ça doit être mon général de garnison, ça. Ouais. Ton général, il est à cheval. Car le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Oui, le chameau aussi, c'est pas mal. Je peux pas les mettre en ligne comme je veux. Ah, comme ça, c'est mieux. Donc, frondeur, 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 frondeur. Quelques tirailleurs. En vrai... Ouais. Non, comme j'ai que du corps à corps, ça vaut pas le coup que je sorte la cavalerie. Du moins pas de suite. Il va falloir je prends un peu de temps pour placer tout ça. Ouais, ah ouais, t'inquiète, de toute façon, je réfléchis moi aussi. J'essaye de faire une sorte de combo de formation. Comme les piquiers sont plutôt faibles face au tir. Et que les phalanges sont assez fortes contre les tirs. J'essaye de combler les deux. Ah. Les filles qui sont en formation, ça serait con. Ouais, de subir une charge. Ok. Je vais peut-être mettre plus de piquiers à ce niveau là. Je crois que t'en as un qui est pas en formation. Quoi ? Ouais, c'est bon. Je vais quand même vérifier. Ah oui, si t'as raison. Attends, j'ai des piquiers là. Ouais, celui-là. Les trois ils sont. Jamais ils passeront. Sauf s'ils gardent la distance, ça va être ça le point d'interrogation. C'est là où il va falloir être bon. C'est vrai. Il faut quand même garder quelques piquiers au niveau du temple, on sait jamais. Alors, par contre, d'où vont venir les renforts? Est-ce qu'ils vont venir de là? Garde un peu de réserve hop, sur la place. Ce qui serait bien en fait, c'est que les renforts ils viennent pas du tout de tout là. C'est que toute cette partie là, il n'y a pas de renfort. Comme ça, on débarrasse en premier, on est plutôt pas mal. Tududu. On va aller rouster, moi je te le dis. C'est une belle bataille ça. Ouais. Je le sens. T'inquiète, j'ai la populace, ça va bien se passer. La populace est avec nous, ouais, c'est bon. Puis on va mettre le général dans le coin. Ok, bah c'est bon. C'est bon pour toi ? Bah ouais, ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que toute cette partie-là, c'est sécure en fait. Merde. Tout ce qui est là. Oui, très clairement. C'est que j'avais essayé une fois, j'avais placé des unités là. Et je me disais, bah c'est trop bien, les archers ils vont pouvoir pilonner ceux qui passent par là. Mais pas du tout en fait, ils peuvent pas. C'est naturel en effet. Ah, il n'y a pas la portée. C'est même pas une question de portée, c'est je pense une sorte de mur invisible, sinon ce serait trop facile, je suppose. Les skirmishers ennemis qui arrivent. Ouais, et regarde, leurs renforts ils viennent de derrière. Ah, ça c'est le pire qui pouvait se passer. Là j'ai des hoplites qui sont sur des hoplites. Ils se grimpent les uns les autres. Ah oui!
What? Qu'est-ce que c'est? Les archers, de toute façon, qui sont en train de faire le taf. Les archers perses, ils sont bons. C'est vrai que les archers perses, ils sont... Ils ont de bonnes unités. C'est une très bonne unité. Et techniquement, si ma formation marche, mes hoplites, ils vont prendre le tir. Et ah non, j'ai rien dit. Tes frondeurs, ils sont où? Les piquets, ils prennent des pertes. T'as oublié de pas... Non, je les ai placés là. Ah, mais ils ont pas la portée, là. Ah, mais aussi, l'IA passe à un seul endroit, mais s'ils passent ici, ils vont se prendre des tirs de pierre. Ouais. Ouais, sauf s'ils passent par là. Toi, tu vois. Regarde, t'as les tirailleurs, là. Ah bah justement, c'est pour ça que je les ai placés sur la colline, c'est pour qu'ils puissent tirer... Ils peuvent ? Ah ouais, ils peuvent ! Ah, je connaissais pas, bien vu ! Ah, je pensais pas qu'ils pourraient passer là, tu vois. Bien vu. Je sais pas si l'angle de tir est optimal, mais... Pas trop. Ah oui, ils fonçaient sur les pics. Ah, y'en a un qui s'est fait avoir. Ouais, ils sont en tir part. C'est le cas de le dire, tu me diras. Le problème, c'est que je peux pas bouger la cavalerie. Il y a beaucoup trop de cavalerie. Les archers font le taf, là. Essaye de demander à tes archers de tirer sur leurs troupes montées en priorité. Moi, une fois qu'il n'y a plus de troupes montées, je peux envoyer la cavalerie, en fait. Ok. T'as raison. Tiens, là, je vais voir si je peux passer sur le côté. Je vais prendre deux unités de cavalerie civile. On va s'approcher un peu. T'as des frondeurs isolés. Ouais, c'est pour ça, je les vois ici, là. Ils sont un peu tout seuls. Ouais, leurs troupes montées ont pas beaucoup de munitions, je trouve. Ouais, si c'est du tirailleur, ça en a quoi 7 ou 9, un truc comme ça. Et ils ont de l'archer par contre. Ah, c'est marrant ça. Ok, on va se placer là. Hop. Vous les gars, hop. Et les lanciers ennemis qui sont au combat. Je vais envoyer des renforts. Populace, lancier qui arrive. Ok, il y a tout ça qui arrive. Je vais faire sortir ces unités là. Ok, la cavalerie citoyenne est passée. Éviter qu'ils se prennent des tirs, surtout. Ah, c'est du chameau là en plus. Ok, propre. Des tirailleurs là, c'est bon. Fais attention de pas trop utiliser de munitions sur eux. Ouais. J'aime pas trop attaquer dans la rue là, côté du temple. Non, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire sortir les chameaux. Et voir si on peut les prendre en tenaille. Parce qu'une fois que les lanciers là ils seront passés, si je peux emmener de la cavalerie ici, de la cavalerie là. Et de la cavalerie là, ou même une unité de piquiers ou autre qui bloque ici. On pourrait les prendre en tenaille. C'est quoi? Ils ont de la populace? Mais comment ils ont fait? Ils peuvent recruter de la populace? Faut croire. C'est une dinguerie ça. Ok. Il y a de moins en moins, ça c'est bien, il y a de moins en moins d'unités à distance. On va commencer à se placer tranquillou ici. Et ici, pareil, on va commencer à aller. Ouais. Noble archer à cheval. Je vais les flanquer avec mes piquiers. Ouais. Il y a moyen. Je vais essayer de les retenir en attendant. Ça sert à rien, là.
Les miliciens que je vais déplacer là-bas. Nous attendons vos ordres. Cavalerie citoyenne. Gardez la vitesse. Oula, oula, non, toi tu passes pas par là, toi. En avant. Tac. Là j'arrive. Il envoie quoi, la défrondeur? Oh, leur populace contre mes piquets, ils se sont fait éclater. Ah bah oui, là. Ok, là je vais pouvoir faire une petite charge sur leur... faire reculer du moins leur frondeur. Je vais envoyer mes GPistes. Bah là ils vont se prendre... D'accord, la cavalerie fait un truc bizarre. Mettez-les en pièces pour la gloire. Les taux se resserrent. Ouais, là ça c'est bon ça. C'est bon, en plus, ouais, t'es en train de bloquer l'autre passage. C'est impeccable, je vais reculer et je vais donner le renfort à un autre endroit. Cavalerie citoyenne. Là, il y a des frondeurs, on va pas les laisser avancer. On va pas laisser tirer, surtout. Hop. Bon, bah, ça a l'air bon, là, on va pouvoir... Faut juste que leur lancier se retourne pas. Attention au tir. Je crois que t'as tes unités qui tirent sur la cavalerie. Ouais. Ah oui. Il y a moyen. Ok, c'est propre, hein. Bon, les chameaux, je les envoie là, au final. Et ouais. Là, moralement, ils sont en train d'être atteints. Ils sont brisés là. Ouais, ça leur fait pas du bien. Là, ils perdent tout leur arrière là. Regarde-moi ça. C'est une contagion. Puis là, en plus, ça va faire mal. Hein, parce que. Pris en étau comme ça, y a pas beaucoup qui pourront fuir proprement. Ah oui, c'est un beau massacre. Bon, je vais retirer cette unité de cavalerie qui commence à prendre cher. Elle est pas nécessaire en plus. Ouais, tu peux les retirer. À ce niveau-là, les piquiers vont faire le taf. Ouais, c'est surtout en plus, je vais aller chercher les fuyards. Il y en a quelques-uns qui, je suppose, réussiront à passer. Avec la cavalerie de... avec mon général. Allez, hop. Bien, ouais, j'ai bien joué, bien joué, ça. Tu vois ? C'est facile comme bataille. Hop là. Je vais demander à mes gars d'arrêter de tirer. Ouais, ça par contre. Et le massacre commence. Pour chaque perse tuée, ça fera 10 pièces d'or de prime pour chaque soldat. Allez, oh la vache, tu fais gaffe, tu vas te ruiner là. C'est pas grave, on prendra sur... sur l'or du pharaon. Sur le détournement fiscal. Ah ouais, ça marche bien aussi. Hop. Avec quelques fuyards, on va les récupérer. Il n'y a pas de fuyards ici. Hein. Là, ici, ils n'arrivent pas à passer. Hein. C'est bloqué. Le massacre. J'attendais que ça qui m'attaque en fait. C'est une belle défense. Je pensais que leur troupe à distance serait vraiment plus problématique par contre. Hein. Mais ça va. Ça aurait été un peu plus chiant si j'aurais moins d'archers, si j'aurais que des frondeurs là, ouais. Ça aurait été chiant. Mais en vrai, comme j'ai 1, 2, 3, 4 unités d'archers, ça passe. Et comme c'est des cavaliers, bah c'est assez fragile face aux tirs. Surtout que c'est vrai que t'es des archers perses. Ouais. Que les archers perses, c'est fort. Ils ont fait presque 200 kills. Hein. Ouais, c'est pas mal. Chacun, ah ouais. 242 kills pour l'autre unité d'archer. 50 pour l'autre. 232 pour cette la dernière unité d'archer. C'est pas dégueu. Ouais, ils ont fait énormément de kills. Hein. Bien joué. Bien joué.
T'as vu les kills qu'ils ont fait, les archers 2, 4, 6, ouais, 700, c'est pas mal, hein. C'est énorme, hein. En face, si. Il en reste pas grand chose. Ah non, non, il en reste 162. Il est piqué aussi, hein. Donc c'est un joli taf, hein. C'est vrai que. Par contre, ils t'ont fait mal aussi, hein. J'ai quelques pertes, oui, ouais. Ça va. Correct. Allez, Saligo, ouais. C'est quoi qui a pris cher? Les hoplites? Ah bah oui. Unité de piqué et du hoplite. Unité d'archer aussi, qui s'est pris un focus apparemment. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont allés au contact. Ah! Ils étaient joueurs. Bon. Contre-attaque maintenant. Ah bah oui, là. En pire contre-attaque. Je pense que c'est le fait de voir ton armée qui se rapproche, ça les a peut-être un petit peu forcés à attaquer. Ouais, ça ou ton allié sur Frada, voire les deux. Ça les a peut-être pressés. Hein. Je me suis allié avec le pont, une alliance défensive. Ah ouais? Ah oui, ça. Ah oui, ça change du tout tout. Bah on s'entend super bien en vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu chiant parce que le pont et l'Arménie ont des territoires que je convoite un peu, mais en attendant que je fasse le ménage en Orient, ça m'arrange. Ouais, bah écoute, je fais un pacte de non-agression avec l'Arménie, au moins comme ça. Comme ça, on est sur la même ligne. Ah, ils ont une deuxième armée là, les partes Prada. La contre-attaque, ça sera peut-être pas pour maintenant. Oh les saligots. Je sais pas comment ils réussissent à avoir autant de troupes alors qu'il en reste